Petite vidéo, on le fait à part pour les tirages, comme ça fera une vidéo moins longue sur le match et ça fera une vidéo plutôt courte. Il y a pas mal de tirages là, je crois que j'en ai quatre. Ceux-là, j'hésite à les faire. Faudrait que je vois le Kimmich s'il est meilleur que le Kimmich que j'ai déjà. Honnêtement, je sais pas, que là comme ça, je sais pas du tout à voir. Moussiala, ça peut être sympa, ça peut être très très sympa. Il a Joker. Il peut jouer à gauche, il peut jouer en meneur. Cancelo en latéral buteur, bah ça tombe bien, j'ai fait la vidéo sur les latéraux buteurs, ça peut être sympa aussi. C'est très technique. Ça se tente aussi. Sommer, j'ai pas regardé. Pavard classique, latéral def. Müller aussi, j'aurais bien aimé tester Müller aussi en leurre. Un leurre en meneur de jeu ou en second attaquant. Faudrait voir dans une organisation, ça peut être sympa, faut voir. De lire ton 16, c'est très solide. Sadio Mané, pareil, on connaît. Est-ce qu'il a les trucs def de lire? Ouais, il a blocage, il a interception, il a marquage, il a supériorité aérienne, il a combativité, il a dégagement acrobatique, c'est très très solide, on connaît. D'ailleurs, fais voir Pavard. Pavard, pareil, c'est marquage. Point latéral, c'est très très fort. Il a marquage, interception, supériorité aérienne, tacle glissé. Tu peux le faire jouer dans l'axe, tu peux le faire jouer à droite. C'est très très solide, Pavard, comme d'habitude. Du coup, je ferai peut-être des... Ouais, allez, on le fera. On commence par le gratos. Un petit Upamecano encore. Après, il est en inconstant. C'est juste ce qui est relou avec Upamecano. Il est en inconstant, sinon il a toutes les techniques qu'il faut. Un Kingsley Coman, je dirais pas non. Vous me connaissez. Un petit dribbleur. Je dis pas non. Goretzka au milieu, ça peut être sympa aussi. Il a trois poumons, c'est physique. Avec un Tchouaméni Goretzka au milieu, t'es tranquille. Gnabry, c'est bon, j'ai déjà. Je sais pas combien de versions de Gnabry, ça suffit, les gars. Et enfin, on a qui? Oh, Choupo-Moting. Il a l'heure aussi, Choupo-Moting. Franchement, si j'ai un Thomas Müller ou un Choupo-Moting, je dis pas non. Je pense qu'il y a moyen de bidouiller un truc, des trucs sympas avec les deux, là. Enfin, avec un joueur qui a l'heure. J'ai pas testé, faudrait que j'essaye, mais je pense qu'il y a des trucs sympas à bidouiller. Ah si, j'avais essayé Diogo Jota au tout début du jeu, il était vraiment très très sympa à jouer. Mais faire oh non, c'est encore Gnabry? Oh non, les gars, j'ai je sais pas combien de versions de Gnabry, les gars. Je crois actuellement j'en ai deux ou trois, il y en a même une que j'ai libérée. J'ai je sais pas combien de versions de Gnabry, les gars. J'aime bien le joueur, mais c'est bon, j'en ai déjà je sais pas combien. Bon, ça, vous connaissez, ça m'intéresse pas, les gars. Vraiment, c'est pas du tout mon délire. Et je sais pas si vous avez vu Hidekun qui a eu le premier tirage, il est tombé sur Ronaldinho. C'est totalement ouf. C'est son joueur préféré dans le jeu. Il fait le tirage gratos et il tombe sur Ronaldinho. Si ça, c'est pas un coup de Konami. Je vous mettrai la capture. C'est totalement abusé. Hop. Et on a encore deux tirages à faire ici. Let's go. On a encore du Moussiala. On a encore du Messi. Messi, c'est bon. J'ai eu une carte dernièrement. Ça suffit. Ah, quoique, il est en milieu attaquant. Ouais, mais non, ça suffit. J'ai déjà eu une carte. Un Moussiala encore en milieu attaquant. En MR, ça peut être sympa aussi, ça. Je dirais pas non. Antoine, il a quoi? Attaquant de soutien. Avec un duo attaquant de soutien Antoine et Giroud, buteur malin, ça peut être sympa. Lautaro, le mini taureau. Chacun, non. Oh, il a des stats sympas. J'allais dire non merci, mais je crois qu'il a des stats sympas là. Grimaldo. En latéral, on a ce qu'il faut. Ça nous a... Oh, Lovro. Ça peut être sympa aussi, un petit Lovro. Faudrait que je regarde si je peux me faire une équipe Ligue 1. Je pense pas que j'ai suffisamment de joueurs. Mais faudrait que je regarde. Pinocque. Honnêtement, je connais pas. Il fait 1,87. Sur la photo, on dirait qu'il est plus grand. Il a les techniques de joueur qu'il faut. Il a tête, il a marquage, interception, blocage, supériorité aérienne, tacle glissé, dégagement acrobatique, capitaine et combativité. Ah, tu vois, ça peut être sympa aussi. Pareil, il a les techniques qu'il faut, marquage, interception, blocage, supériorité aérienne. Ça manque un peu de conscience.
mais c'est physique, ça peut compenser, c'est destructeur. Un petit Xavi, je dirais pas non non plus. Ah, il est en ailier prolifique. Il est en milieu attaquant. Il a quoi en dribble? Ah, ça manque un peu de dribble. Mais il a les techniques qu'il faut. Il a double contact, il a contrôle semelle, il la passe en une touche. Ça se prend aussi. Et les gardiens, ça suffit. Vous m'avez donné que des gardiens ces derniers temps sur les tirages, ça suffit. Allez, let's go! Honnêtement, pas de préférence. Un petit Moussiala, je dirais pas non. Sinon, le reste, qu'importe. Ou un Lovro-Meyer au milieu. Ah bah c'est Moussiala. Oh, magnifique. On prend. Il est en MR milieu attaquant. On dit pas non. Un petit milieu Kimmich-Moussiala en MR. Avec une plaque tournante derrière, on dit pas non, ça peut être très très sympa. Oh, j'avais pas vu ces stats en contrôle, en dribble, en tenue de balle, c'est une boucherie. Passateur 89, accélération 90, c'est une boucherie, les gars. Il a Joker, ça va être sympatoche. Et le deuxième, du coup, je ne sais plus qui il y a. Je ne sais pas. Ah ben c'est Lovro Meyer. On a eu les deux milieux attaquants à MR. Excellent. Ah ben non, c'est Messi. Je pensais que c'était... J'avais oublié Messi. Je pensais que c'était Lovro Meyer. Non. Pareil, j'ai je sais pas combien de versions de Messi. J'en ai jeté je sais pas combien. Ça suffit là. Oh. C'est une boucherie, c'est stable. C'est une boucherie, les gars. On verra si je le fais jouer, mais... J'en ai déjà eu pas mal, ça suffit là. Je sais pas si je fais les tirages Bayern ou pas. La semaine prochaine, il y aura sans doute City. Non, je fais pas les tirages Bayern. Non, c'est bon. On a eu Moussiala, c'est l'une des cartes qu'on voulait. Non, je fais pas le Bayern. J'attends la semaine prochaine voir s'il y a City. Parce que j'aimerais bien choper un petit Erling Haaland. Il doit avoir buteur malin aussi. Du coup, Haaland Giroud pour le poste d'attaquant, ça peut être sympa. Du coup, on attend la semaine prochaine voir c'est quoi les prochains tirages. Voilà pour la vidéo tirage, les gars. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien. Je regarde la conférence de presse de Pablo Longoria. Ciao, ciao, les gars.